Alors, Monkey Cause est né, j'ai envie de dire malheureusement, est né suite au décès de Madame Dominique Leger, qui était ma belle-mère. On a découvert ce qu'était la maladie de Charcot, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester insensible à ça, et qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient être touchées par cette maladie, et qu'on avait envie de se battre aussi pour ces gens-là. Et j'ai envie de dire que Dominique, elle nous a laissé des devoirs à la maison. Elle nous a toujours appris que dans la vie, il fallait aussi aider les autres. Et que elle, c'est pas parce qu'elle n'est plus là qu'il ne fallait pas continuer son combat. Donc, Monkey Cause, c'est des mots pour mettre d'autres mots en lumière. Monkey Cause, bah, pour une grande cause. À la base, c'était pour créer un hommage pour ma maman qui nous a quittés donc, le 18 avril dernier, qui était atteinte donc, de la maladie de Charcot, connue aussi sous le nom de SLA, sclérose latérale amyotrophique. Donc c'est une maladie qui touche de nombreuses personnes en France, mais qui était très peu médiatisée. Et donc nous, on a décidé de mettre des mots sur cette maladie et de faire parler autour de cette maladie. Car c'est un réel combat quand ça nous tombe dessus. Et ça tombe pas que sur la personne, ça tombe sur toute la famille, tous les gens qui les entourent. Voilà. C'est un gros, gros combat, un combat pour accepter, un combat au quotidien. Et toutes ces personnes, donc que ce soit les malades ou les accompagnants, ont besoin d'être soutenues, d'être entendues, d'être accompagnées. Et voilà, on voulait mettre des mots en lumière, sur tout ça. Alors, mots qui causent pour mettre des mots pour d'autres mots, pour soutenir une cause qui est la maladie de Charcot, appelée la SLA. Donc voilà, des gens issus de la scène slam qui soutiennent cette maladie, qui s'investissent et qui ont envie de partager avec un public leur registre musical. Bon, qui cause, c'est aussi un qui cause. C'est une application pour les gens atteints de la maladie de Charcot qui leur permet, quand ils ne peuvent plus parler, mais de pouvoir communiquer avec leurs proches. Voilà pourquoi mots qui causent. J'ai commencé l'écriture au collège ou au lycée, mais c'était comme ça pour triper. Et puis j'ai rapidement découvert le slam. Et je me suis pris un peu au jeu, j'ai rencontré des gens là-dedans, et c'est là qu'on a monté le groupe Cadavreski. Je peux comprendre que des personnes ne soient pas très sensibles à l'absence de musique autre que celle des mots. Je sais qu'il y a des gens que ça touche pas. Moi, personnellement, ça a été important dans ma vie, ça a été utile comment j'ai structuré ma pensée, comment je me suis détaché de plein de choses, comment je me suis attaché à d'autres. C'était la plus belle école de ma vie. Mitov des Cadavreski, c'est un petit bonhomme de 23 ans, le plus jeune du groupe, qui a commencé par le slam, surtout par l'écriture. Il aimait pas trop ça, l'écriture et la lecture. Et puis voilà, petit à petit, il a essayé le slam, il s'est mis au rap, et maintenant il fait partie de Cadavreski. Je suis un musicien. Comme un peu tout le monde dans le groupe, j'ai eu l'occasion de faire des scènes slam. Et c'est comme ça que j'ai développé mon goût pour l'écriture. Et puis ensuite, j'ai associé la musique et l'écriture pour en faire du rap. Avec les autres dans Cadavreski, on a monté ce projet et c'est là-dedans qu'on a développé vraiment notre écriture, mais au service de la musique. Alors à la base, c'est parce que c'est les copains qui nous en ont parlé. Et effectivement, moi j'avais pas connaissance de ce qu'était la maladie de Charcot, j'avais entendu. Le nom, quoi, mais je connaissais pas, donc on s'est dit, tiens, la question se pose vraiment, qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences, et donc on s'est dit, effectivement, parrainer ce truc peut être intéressant, le festival dans son ensemble, et puis aussi pour soutenir les potes, si tu veux, les personnes les plus proches de nous qui sont touchées par cette maladie, bah, c'est vous, quoi, Lord Mike Jam, Chadeline, et donc on s'est dit, bah, on y va, quoi.
Si on peut faire quelque chose de bien sur le sujet, allons-y. Ça faisait partie de ces maladies qu'on met dans un grand fourre-tout, on ne sait pas trop ce que c'est, on a l'impression que c'est vraiment très peu de personnes qui sont touchées. Comme on a l'occasion d'être devant un public, de prendre la parole, on s'est dit que pourquoi pas parler de ça. C'est peut-être une belle cause à défendre et à soutenir. C'est une cause à soutenir quoi qu'il arrive, et surtout quand c'est des personnes qu'on connaît, qui sont encore plus proches de nous, du coup ça nous touche un peu plus. C'est à nous, en tant que groupe, en tant que parrain, de faire valoir cette cause et de venir vers eux par des ateliers comme on le fait dans le slam et comme on le fait dans nos concerts, avec voilà, notre chaleur humaine, en étant proche des gens et en essayant de pas de convertir, mais de faire découvrir un maximum de choses au public, jeune ou moins jeune. Quoi. Le mouvement hip-hop, et puis je pense que n'importe quelle musique, on a l'occasion de pouvoir s'engager, donc certains le font, d'autres non. Je pense que c'est pas incompatible à titre personnel. C'est peut-être pas habituel, surtout que pour le coup c'est moins médiatique que, je sais pas, une autre maladie comme le sida ou que une autre cause, mais quand on a l'occasion, je pense qu'il faut pas s'en priver. Quoi. C'est pas discuter un match en fauteuil roulant contre des mecs qui font du handisport, là, faire un peu maltraiter. Quel défi je serais prêt à relever pour, voilà, pour faire parler de la maladie et pour qu'elle soit reconnue. Pourquoi pas faire un feat ouais, avec des personnes atteintes de la maladie de Charcot ou faire des reportages, enfin, je sais pas, parler un peu plus d'eux. Et... Tout simplement faire un morceau sur le sujet. Sur le fait de prêter sa voix à des gens qui peuvent plus forcément s'exprimer, se faire entendre. On a en projet un morceau tout simplement sur le sujet. Je suis la voix d'un autre qui s'est tu. S'est tu ? Je suis la voix d'un autre qui ne sait plus. Qui s'éteint. Je suis la voix d'un autre qui s'est tu. S'est tu ? Je suis la voix d'un autre qui s'éteint. C'est tout. Salut, nous c'est Cadavreski, on est les parrains du Mokikos 2015 qui soutient l'association Les Papillons de Charcot qui lutte contre la maladie de Charcot. Et on voulait vous souhaiter un bon anniversaire pour les 70 ans du lycée français de Vienne. Donc voilà. Bon anniversaire. Et puis bon, on cherchait un petit jeu de mots, mais on attend toujours qu'ils viennent. Viennent. Joyeux anniv, lycée français autrichien. Moi j'ai les mots qui causent et le piano magicien. Pour les poteaux de mots qui causent, un grand merci. Une grande cause défendue par de grands MC. Yo, lycée français de Vienne, ici David Goudreau en direct du Québec qui vous remercie tout ce que vous faites pour la maladie de Charcot, pour mettre du sens à la vie, au support entre humains. Quelle belle espèce lorsqu'elle se soutient. Merci beaucoup, vraiment, j'espère qu'on aura la chance de se croiser, de se rencontrer, de partager un peu de poésie ou de changement social. Qui sait? À bientôt. Quand les ailes ne se déploient plus et que la flamme peu à peu s'éteint, il reste sur le chemin les pas de ceux qui ont tenu la main. Alors un très très grand merci au lycée français de Vienne pour leur soutien à l'association Mots qui causent et aux papillons de Charcot. Et surtout un merveilleux anniversaire. Allumons des bougies et donnons de la lumière. Ok. C'est ça l'hélicasse, non Mike Jam Chaldim. Merci à la famille. Je suis la voix d'un autre qui s'est tu. S'est tu ? Je suis la voix d'un autre qui ne sait plus. Qui s'éteint ? Je suis la voix d'un autre qui s'est tu. S'est tu ? Je suis la voix d'un autre qui s'éteint. S'est tu ?
Je me souviens du temps où je parlais pour ne rien dire. Difficile de se dire que ça ne durerait qu'un temps. Difficile d'autant qu'il me reste des choses à dire. Impossible de décrire, d'écrire ce qui t'attend. J'ai sur le bout de la langue, j'ai plus la langue debout. J'ai le dégoût de l'angle de la langue de bois. Réfléchir avant de parler, parler avant de fléchir, défléchir avant de caler, s'en aller avant de partir. Mon qui cause avec toi. Mon qui cause. Mon qui cause. Je suis la voix d'un autre qui s'est-tu. S'est-tu. Je suis la voix d'un autre qui ne sait plus. Qui s'éteint. Je suis la voix d'un autre qui s'est-tu. S'est-tu. Je suis la voix d'un autre qui s'éteint. S'est-tu. Les précautions qu'on prend, ce qu'on s'est même bâti. Et plus personne ne me comprend. Elle est pas belle la vie. Je peux pas le faire ni le désigner. Désigner. Désirer. Lire dans les signes et dire des trucs signés. Tais-toi c'est ta. Debout c'est ta toi. Tout ce que vous donnerez sera reçu, on y risque. Que peu. Tant que c'est pas nous, ça nous atteint pas. Tout ce que vous direz pourra être retenu. Tout le monde. Alors dites-le. Mon qui cause. Mon qui cause. Mon qui cause. Mon qui cause. Tu es la voix d'un autre qui sais-tu. Sais-tu. Tu es la voix d'un autre qui ne sait plus. Qui s'éteint. Tu es la voix d'un autre qui sais-tu. Sais-tu. Tu suis la voix d'un autre qui s'éteint. Sais-tu.